Très bien. Parle, t'es pas obligé de crier. Bah oui, tu veux. Comment il s'appelle? Jace. T'es bien assis. C'est bien, Jace. 16% des électeurs s'étaient déplacés. Alors c'est un petit peu plus qu'en 2008 pour le premier tour des élections municipales, puisqu'en 2008, à la même heure, et bien doucement. Alors vous voyez, on est sur des chiffres qui sont à peu près comparables. En tout cas, on peut voir dans le détail qu'il y a des départements dans lesquels on a plus voté ce matin. C'est le cas de l'Ardèche. 17h, en 2008, les chiffres étaient à peu près semblables. Vous savez, l'abstention et la participation du vote, c'est l'un des enjeux de ce scrutin. Si vous voulez encore voter, vous pouvez le faire jusqu'à 18h, 19h dans certains. C'est bien, bien, Jay, c'est bien. Bien touché. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a glissé son bulletin de vote à Emma Beaumont, dans la patrie. On lui a patiemment attendu ce jour parmi les électeurs. Non. Le chef de type du monde a voté à Pau. Et bien être. Dans les Mélenchon, co-président du Parti de gauche, était à Paris. Voilà, Jace. Et on vient de recevoir le président de l'UMP, Jean-François Copé. Il a appuyé sur le ventre, comme c'est là. Elles sont où ces bouteilles qu'ils aiment bien? Elles sont là-haut. Oui, Marie, alors 3700 habitants. Nous avons un peu de Hey, où Jesse? T'as dans tes mains pour les intéresser, appelle-les. Faut que tu sois plus intéressante que les bouteilles. Laisse-le faire. Arrête ça. Non. Non.
Attention, le... Non. Recule ta tête, chérie, s'il te plaît. Son dernier contact s'est fait avec le 2 janvier.